Ok, aujourd'hui on va faire quelque chose de très simple, delicious, everything. Donc aujourd'hui on va faire les pommes de terre carrées. Nous sommes en Inde aujourd'hui. Donc pour ça on a besoin de pommes de terre. Ça c'est 4 pommes de terre. On a besoin des haricots verts. Une carotte. Un oignon découpé. On a besoin de l'ail, du gingembre, moutarde, du thon, mais c'est pas obligatoire. Si tu n'aimes pas du thon, faut pas mettre. C'est pas obligatoire de mettre, mais moi j'aime du thon. On a du cadu saisonnement, c'est un piment et les herbes. On a besoin du poivre blanc, du persil sec, du poivre noir, du cube mangé en poudre, en légumes. C'est très bon. On a besoin de coconut oil, huile de coco, huile d'olive. On a besoin de curry powder, curry en poudre. Curry qui est vraiment hot, vraiment pimenté quoi. Et everyday saisonnement. Donc pour commencer, je vais bouillir d'abord un peu les pommes de terre, juste pour 10 à 15 minutes. Je vais le bouillir, après je vais le griller. Donc on va passer à la cuisine. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai déjà mis l'eau dans la marmite. Et voilà l'eau dans la marmite. Donc je vais le mettre ici. Je bouge ça, comme je vous ai dit, ça va cuire au moins pendant 10 à 15 minutes. Après je vais retirer dans l'eau quoi. Donc j'ai mis les carottes aussi. J'avais oublié de mettre les carottes. Donc ça va cuire encore. Donc j'ai mis les carottes. J'avais complètement oublié. Donc ça cuit encore 10 minutes. Après je retire. Okay, mes pommes de terre et carottes sont cuites. Donc je vais les retirer. Ça ne cuit pas tellement. Donc je retire maintenant. Je vais changer. Je vais mettre une cuillère de huile de coco. Un peu de huile d'olive. Deux cuillères d'huile d'olive. C'est bon. Donc je mets les oignons. Je vais caraméliser d'abord les oignons très bien. Donc je mets l'ail, du gingembre, moutarde. Je mets du persil sec. Je vais mettre du persil. Du poivre blanc. Je vais mettre du cajou. C'est un peu pimenté là. Et je vais mettre mon évoqué ces oignons un peu. Ça c'est salaud. Je vais mettre ça bien. Poivre noir. Je mets un peu de magie pour toi.
mets mes ailes au vert. Je ne sais pas si ça va faire la rico, c'est pas difficile à faire. Je mets mes pommes de terre et carottes aussi. Je mets mon carré en pot de lait. Vous pouvez utiliser le carré que vous voulez. Moi, j'utilise ça. Je mets deux cuillères de terre. Et je mets un peu de curry en piment là, bien pimenté. Je mets deux cuillères de sel aussi. Je mélange ça bien. Je mets un peu d'eau. Je mets un peu d'eau. Je vais mettre du thon à la dernière position. Ouais, c'est très facile à faire. On va accompagner ça avec du lamb bread. Très rapide à faire. Et c'est tout le temps de la viande à préparer. Donc, j'augmente un peu. Avec mon petit de l'eau. Je couvre, je laisse cuire au vin pendant 10 à 15 minutes. Je vais voir. Ok. Donc, il est temps de mettre le thon maintenant. Comme je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire. Si la personne n'aime pas le thon, tu peux laisser comme ça. C'est bon. Donc, je mets mon thon. Ou bien tu peux mettre les crevettes si tu veux. Voilà. Un petit peu de sel. Comme ça au moins pendant 5 minutes et déjà prêt. On va accompagner avec le pain là, l'an bread. Je trouve ça partout. C'est bon, c'est très bon avec ça. Oui, l'an bread. Le pain, on va accompagner avec ça. Bon. Et mon pomme de terre carrée est prêt maintenant. C'est time to serve. Oui, c'est rapide à faire, très simple. Doit être comme ça. Bien fait là. Je vais servir maintenant. Et voilà. Mon pomme de terre carrée est finie, accompagnée de la salade. Un peu de la salade. Tomate qui combine de la salade. Avec du bread, non-bread, comme je vous ai dit. C'est très bon avec ça. Très, très, très bon avec ça. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma cuisine, n'oubliez pas de vous abonner, partager, aimer. Si c'est la première fois de venir sur ma chaîne, donc faut t'abonner pour avoir plus de mes vidéos. Ok, à bientôt.